Dans cette vidéo, je vais vous montrer un de mes produits gagnants ainsi que la boutique Shopify et la publicité Facebook qui m'a permis de générer plus de 1000 euros par jour en moins de 3 jours durant le confinement. Bienvenue sur Shopify Addict, on est là uniquement pour faire des ventes les amis. Aujourd'hui on va voir un de mes produits que j'ai lancé récemment et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous le montrer tout simplement pour voir ensemble ce qui a fonctionné, pourquoi j'ai réussi à le vendre, etc. Au lieu de juste vous montrer le produit, je vais vous montrer les choses importantes que j'ai fait pour réussir à vendre et tout ce que j'ai appliqué sur la boutique Shopify ainsi que les publicités. Donc n'oubliez pas qu'en ce moment, je suis en train de vous préparer une série 100% gratuite qui va parler du dropshipping de A à Z en passant vraiment par tout, par la création de votre boutique, par travailler avec des agents, etc. Vraiment tout ce qu'il faut savoir en 2020. Après cette série, vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas faire de vente. Donc les amis, on est parti pour cette vidéo. Donc, let's go! Donc, on est sur mon écran. Je vais tout de suite vous montrer le produit gagnant. Mais juste avant, je voulais encore une fois vous avertir que cette vidéo a énormément de valeur et potentiellement peut aller assez rapidement pour tous ceux qui débutent en dropshipping. Maintenant, ce n'est pas un problème car comme vous le savez, je suis en train de vous préparer une série où je vous montre tout de A à Z qui est destinée aux débutants comme aux avancés. Donc juste avant de vous montrer le produit sur AliExpress, je veux vous montrer les chiffres que j'ai réalisés avec ce produit tout simplement. Donc là, le premier jour, on a fait 400 euros, ensuite on a fait 460, ensuite 866 et ensuite 1250. Et plus tard dans la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai arrêté ce shop et j'ai décidé de vous le montrer. On se retrouve tout simplement sur AliExpress. Donc les amis, n'hésitez pas à mettre un like si vous voulez voir le produit tout simplement. Donc voilà les amis, c'est ça le produit que j'ai vendu. C'est tout simplement une petite boîte où c'est qu'on peut faire une maison soi-même. Donc c'est une maison à fabriquer soi-même, une sorte de bricolage. C'est dans une espèce de boîte de conserve et en fait le but c'est de créer son propre univers dans cette espèce de boîte de conserve. Vous voyez qu'il y a énormément de boîtes différentes comme ça sur AliExpress. Donc voilà, c'est une boîte qu'on peut créer nous-mêmes. Donc voilà, ça se présente comme ça, il y a plusieurs thèmes différents. Il y a le thème de la plage, il y a le thème de la campagne, de la jungle, etc. En gros, ce que le client reçoit, en fait, il reçoit ça. Donc la boîte avec tous les accessoires. Et en fait, c'est à lui de tout assembler de A à Z. Et il faut savoir que les choses à faire soi-même à la maison, les clients aiment bien. Parce qu'après, c'est des choses qui sont personnalisées et les clients ont bien aimé. Donc voilà, c'est ça le produit. Il est à 9 euros sur AliExpress. Et c'est tout simplement, comme je l'ai dit, une sorte de boîte de conserve où c'est qu'on peut bricoler quelque chose à l'intérieur. Donc selon moi, pourquoi ça s'est bien vendu, c'est très simple, c'est que, premier point tout simplement, c'est que le produit se vend en ce moment. Donc je l'ai trouvé sur AdSpy et il y avait tout simplement un fort taux d'engagement, il y avait beaucoup de vues en très très peu de temps, je crois que c'était environ une semaine en Amérique. Donc ça veut tout simplement dire que c'est pour moi un produit gagnant. Deuxième point, c'est que ça répond à un problème. Le problème, c'est très simple, les gens étaient confinés chez eux en France et du coup avaient beaucoup de temps à perdre. Et du coup ce produit là en fait, ben, il faut vraiment beaucoup de temps pour faire le produit. Et ça demande vraiment à ce qu'on soit appliqué et qu'on passe beaucoup de temps. Donc le confinement c'était juste parfait pour vendre ce produit là. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose de très récent. Voilà, j'ai vu aussi sur AdSpy, il y avait juste un concurrent en France qui n'avait pas super bien fonctionné parce qu'il n'avait pas bien fait son site. Donc je me suis dit que j'allais le lancer, puis j'ai bien fait, ça a super bien fonctionné. Donc maintenant je vais vous montrer la boutique que j'ai utilisée. La boutique Shopify tout simplement. Donc les amis, au niveau de la boutique, j'ai fait un monoproduit et j'ai utilisé le thème début et je trouve que ça fonctionne toujours bien aujourd'hui. Ça fait toujours des sites qui sont assez clean. Là, je vous montre comment ça donne sur ordinateur, mais il faut bien vous rendre compte que la plupart du trafic sont via mobile. Le site que j'ai créé là, via mobile, donne vraiment mieux que sur ordinateur. Donc voilà, déjà au niveau du logo, j'ai tout simplement fait un logo avec Canva. .com en seulement une ou deux minutes. J'ai rajouté un petit symbole ici ABC et puis j'ai mis Kida comme ça. Je trouvais que ça donnait bien pour ce produit. Donc au niveau du titre, j'ai mis voilà, maison, poupée, miniature, 3D à faire soi-même.
Même si c'est pas forcément des poupées à l'intérieur, je trouvais aussi que ça donnait bien. Donc j'ai mis ça. Ensuite, au niveau du prix, je l'ai mis à 27,99. On va voir à la fin de la vidéo tout ce qui est rentabilité, etc. Voilà, ensuite j'ai mis qu'ils économisent 40% environ. Ensuite, au niveau des variantes ici, j'ai mis les variantes tout simplement. Selon moi, il y en a quand même beaucoup trop. Si je voudrais scaler ce shop, j'aurais enlevé quand même pas mal de variantes. Ici, ce que j'ai fait qui est assez intéressant, que vous pouvez prendre note, c'est que j'ai mis quelques variantes en fait en stock épuisé. Donc là, si on va sur par exemple l'île de l'aventure, j'ai mis que ce thème-là pour cette boîte était en stock épuisé. Et quand on fait ça, en fait, ça va montrer, le client va croire que ce produit est plus en stock et qu'il faut absolument qu'il prenne les autres. Et ça va un peu presser le client, il va faire son achat plus rapidement et ça va un petit peu augmenter votre taux de conversion, voilà, de mettre que vous avez des variantes qui sont en stock épuisé. Ensuite, ce que j'ai également mis en place, c'est tout simplement une application pour que le client prenne plusieurs fois le produit. Donc en gros, là par exemple, si un client met deux fois la boîte dans son panier, eh bien tout simplement, il y aura directement la réduction de 15% qui sera appliquée. Je vais vous montrer le nom de l'application juste après, mais c'est quelque chose que vous pouvez définitivement mettre en place, ça augmente tout simplement votre panier moyen. Également, quelque chose que j'ai fait qui est intéressant, c'est que j'ai mis une application pour mettre plusieurs onglets à ma description. Donc voilà, j'ai mis trois onglets, un onglet description, un onglet de spécification, avec ce qu'il faut que le client sache quand il commande le produit, comme par exemple que voilà, tout ce qu'il y a sur l'image doit être fait par eux-mêmes. En fait, ils reçoivent ça à la maison et pas la boîte déjà faite, etc., etc. Aussi tout ce qui est expédition, voilà, comme quoi ça prend quand même un peu de temps et pas que ça arrive en un jour. Et la description, tout simplement. Donc au niveau de la description, j'ai mis un logo garanti 30 jours. Ensuite, j'ai mis une phrase, voilà, délicate et significative. Vous pouvez l'utiliser comme décoration ou le donner à des personnes importantes. Ensuite, j'ai également mis une phrase qui augmente encore une fois le panier moyen. C'est très simple. J'ai mis que le prix est automatiquement réduit lorsque la personne ajoute 2, 3 ou 4 fois le produit au panier. Grâce à l'application qu'on a mis, ça va permettre au client qui reçoit directement la réduction et pas qu'il doit mettre un code dans le checkout. Ensuite, j'ai encore mis du texte, une image animée, du texte, une image d'une cliente contente. Ensuite une image et ensuite encore une fois du texte. Comme je l'ai dit, ça donne beaucoup mieux sur mobile, sur ordinateur il y a très peu de trafic, on peut même voir après si vous le voulez. Ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai mis que les clients étaient contents avec Google. Ici ce que j'ai fait c'est que j'ai mis des commentaires Facebook d'un concurrent, je les ai screenshotés et je les ai mis en bas de ma description. Ça augmente encore notre taux de conversion. Tout ce qui est garantie, etc., je l'ai mis sur expédition ici. Et en bas de notre description, j'ai tout simplement mis les avis via Lux. Donc, je les ai importés directement à DaliExpress. Donc voilà, c'est un site assez basique. Si je vais sur la gamme que j'ai créée là, on peut voir que j'ai juste du coup importé cette maison 3D. Et j'ai aussi également mis un autre produit, un jeu pour enfants, pour montrer qu'on est vraiment dans cette niche-là. Et je l'ai mis en épuisé, voilà, comme ça personne ne commande. Le but étant juste de montrer qu'on est une entreprise derrière. Ensuite, on a la page panier que j'ai rajoutée également en haut. Et on a aussi la page nous contacter. Voilà, donc très simple. Ensuite, au niveau de la page d'accueil, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste mis une phrase comme quoi on livrait malgré la situation actuelle. Et puis, tout simplement, mon produit. Et également, j'ai ajouté une page FAQ pour rassurer les clients s'ils ont des questions. Maintenant, on peut venir voir également le checkout. Donc, au niveau du checkout, c'est très simple. J'ai rien touché, j'ai juste mis un logo ici. Que j'ai fait avec Canva, donc j'ai mis le logo du shop plus un logo qui fait confiance. Donc au niveau des applications, c'est très simple. Ce que j'ai utilisé, il y en a très peu, c'est tout simplement Discounted Pricing by Booster App. Ça va nous permettre d'avoir du coup les prix réduits ici. Ensuite, ce que j'ai également mis, c'est DSERS pour tout simplement importer mon produit à la boutique. Ensuite, comme je vous ai dit, j'ai utilisé quelque chose pour mettre plusieurs onglets. Donc là, j'ai utilisé EasyTab. Ensuite, également Lux, tout simplement pour les avis de notre shop. Et finalement, on a Sticky Cards by Uplinky. Ça va tout simplement nous permettre d'avoir un bouton ajouté au panier ici en bas, comme vous le voyez. Sur mobile, encore une fois, ça donne beaucoup mieux. Tout simplement, la dernière application ici, c'est Diane Xiaomi. C'est tout simplement mon agent qui l'a ajouté. Ça va lui permettre de passer les commandes sans que je dois le faire. Donc en fait, c'est tout simplement automatisé. Donc maintenant, on passe à la publicité Facebook. Je vais vous montrer la stratégie que j'ai utilisée pour faire 1000 euros par jour. Donc là, on est sur le dashboard du shop. Donc le premier jour, on a fait 400 euros. Le deuxième jour, on a fait 460. Troisième, 800. Et ensuite, on a également fait
1200. Et ensuite, je l'ai arrêté. Pourquoi? Parce que c'est en fait très simple. Le jour où je l'ai lancé, en fait, c'est un jour où j'ai testé plusieurs shops à la fois. Et en fait, j'en ai un qui a pris beaucoup, beaucoup plus. Et du coup, je voulais me concentrer mais un shop. Et du coup, bah, j'ai coupé celui-là. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous le montrer. Surtout que j'ai eu des très bons ROS, surtout sur la, voilà, le 13 mai, sans lancer de retargeting. Donc, je me suis dit voilà, que ça pouvait être intéressant de vous montrer tout simplement ce shop. Donc là, on peut même aller dans Analytics, hein, le 13 mai. Ici, on va regarder le 13 mai du coup, ce que ça donnait. Ici, tac, 13 mai, on va apply. Du coup, on voit qu'on a eu voilà, 1000 visites, un panier moyen de 40 € et un taux de conversion de 2. C'est plutôt correct et je vais vous montrer tout simplement comment j'ai fait via Facebook Ads. Donc, je vais commencer par vous montrer la publicité que j'ai réalisée. C'est tout simplement cette vidéo-là et cette publicité-là. Donc, au départ, j'avais mis deux débuts de vidéos différents et ensuite, j'ai laissé lequel a mieux fonctionné. Donc, j'ai laissé le Ads 1 comme vous voyez là. Et tout simplement, ça donne comme ça. Donc, un cadeau exquis auquel vous aurez personnellement participé. Et en bas, voilà, j'ai mis en réduction jusqu'à minuit, poupée maison miniature 3D. Et je vous montre tout de suite la vidéo. Donc là, on a la vidéo. Donc voilà, il y a eu 89 000 vues en seulement 3 jours. Donc j'aurais pu vraiment scaler ça, mais j'ai eu un site qui a beaucoup mieux pris. Donc tout simplement, je vais vous montrer la vidéo. Cadeau numéro 1 du confinement. Fabriquez votre propre maison 3D. Racontez l'histoire des deux lapins heureux. À vous de l'assembler et l'utiliser. La boîte est livrée avec tout le nécessaire, etc. En vente uniquement sur kida.fr. Au niveau de la vidéo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé 4-5 vidéos que j'ai trouvées sur AdSpy, donc aux US et une en France, et j'ai mixé le tout du coup avec Camtasia, donc avec cette application ici, Camtasia. Donc voilà pour la vidéo, comme je vous ai dit, j'en avais deux au départ pour faire du AB testing au niveau du début de la vidéo. Donc au niveau du ROS du shop, c'est très simple, le produit je l'achète à 9 $, c'est le prix que l'agent m'a fait avec la livraison basique, donc une livraison en 2 semaines. Donc, ensuite on a tout simplement le prix auquel je vends, en dollars ça fait 30,74 $, donc voilà 27,99 € ça fait ça en dollars, ce qui nous fait une marge de 21. Le ROS minimum, si on parle juste du prix d'achat et du prix de vente, est de 1,42. Et tout simplement, avec tous les frais, etc., on peut partir sur un ROS minimum de 1,50. Et du coup, bah voilà, par exemple, le 13 mai, on a plus que doublé le ROS minimum. Donc voilà, sur ce shop, si on regarde du 10 au 14, parce qu'il y a eu quelques commandes le 14, sur les 1 000 €, sur les 3 000 € ici, on a fait en francs suisses environ 1 000 francs de bénéfices. Donc, le 10 mai, le premier jour de testing, j'ai eu un ROS de 2,46. Ça dit que ça traquait 360 €, mais en réalité, j'ai fait voilà plus de 400 €. Donc, ça n'a pas traqué toutes les commandes. Le pixel oublie de traquer. Et du coup, en fait, en réalité, on a un ROS un peu plus élevé. Mais du coup, là, disons qu'on a eu un ROS de 2,5 pour le premier jour de testing. Dans la CBO, j'ai mis 6 intérêts. Comme je vous ai dit, quand je fais des CBO à environ 200, je mets entre 5 à 7 intérêts. Au niveau des intérêts, bah, voilà, c'est ces intérêts-là que j'ai mis. Celui qui a le mieux fonctionné, c'est l'intérêt parent. Donc, si on va regarder comment je l'ai créé, c'est très simple. Donc, voilà, en fait, là, si vous regardez bien, j'ai ciblé tous les parents de France qui ont entre 18 et 65. C'est pas un intérêt en fait, j'ai tout simplement ciblé les parents directement. Voilà, donc c'est l'adset qui a le mieux fonctionné et voilà pour la première journée. Donc ça s'annonçait bien et du coup on va tout simplement vous regarder le deuxième jour. Donc le deuxième jour j'ai eu un ROS vraiment très mauvais. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc j'ai augmenté la CBO. La première CBO, elle a dépensé 245. Et vu que j'avais mon autre shop qui tournait extrêmement bien, je me suis dit que sur ce shop-là, je voulais faire un test.
Donc là, j'ai fait un test hors CBO et j'ai testé plein d'intérêts qui sont hors une CBO et j'ai vu que ça fonctionnait, mais alors vraiment pas. Et du coup, je l'avais coupé le soir même. Et du coup, ça m'a fait que l'ensemble ne fonctionnait pas. Donc pour le deuxième jour, j'étais juste break-even et c'était pas très intéressant, mais l'intérêt par an a fonctionné toujours autant bien. Du coup, si on regarde tout simplement pour le 12, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué cette CBO là et j'ai tout simplement lancé une lookalike de vue de vidéo. Donc j'ai lancé un peu trop tôt et c'est pour ça qu'on n'a pas eu des ROS fabuleux, mais vous voyez que ça a quand même pas mal fonctionné. Et surtout, comme je vous ai dit, Facebook n'a pas traqué toutes les commandes ici, il nous manque vraiment beaucoup. Donc on a eu un ROS d'environ 2 et voilà, la campagne a dépensé juste 200 et c'est ce qui s'est passé du coup pour la journée du 12. Et ensuite, tout simplement, le scaling au 13 mai à 1K day, ce que j'ai fait, c'est très simple, je vous montre ça. On va sur le 13 mai. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai testé également des lookalikes à 75% de vues de vidéo et j'ai laissé tourner celle à 50% qui commençait à bien prendre. Et notre CBO de base a vraiment super bien pris. Donc elle a eu un ROS de 4. Et en fait, ce que je remarque avec ce produit, c'est que plus je mets de budget, mieux ça fonctionne. Donc les premiers jours, on n'a pas forcément les meilleurs résultats. Ça vient tout simplement au fur et à mesure. Mais là, ce qui se passe, c'est que si j'aurais voulu scaler ce shop, j'aurais clairement mis cette CBO là au lieu de 200, je l'aurais passé directement à 500 et la même pour les lookalikes si elles auraient bien fonctionné. Faut bien me rendre compte que là, c'est marqué un ROS de 2,72, mais en réalité, j'en ai un beaucoup plus élevé parce que si on vient du coup sur le 13, j'ai tout simplement fait 30 ventes et ils m'en ont traqué juste 22. Donc en réalité, j'ai un ROS aux alentours de 3,5, ce qui m'a rapporté pas mal de bénéfices. J'aurais pu faire facilement du 5K day avec ce produit-là durant le confinement. Et en réalité, les amis, pour faire 1000 euros par jour, une CBO à 200, c'est clairement suffisant. Ensuite, vous pouvez juste augmenter le budget et ensuite passer au lookalike de vue de vidéo et ensuite faire du lookalike sur les visiteurs. Et là, vous pouvez vraiment scaler assez haut. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, tout simplement, on se retrouve dimanche 30 mai, donc ce dimanche. Sur ma chaîne YouTube, je vais poster une nouvelle vidéo et on va tout simplement en fait commencer la nouvelle série de A à Z pour vous expliquer littéralement tout ce qu'il faut savoir pour commencer en dropshipping. Donc les amis, j'espère que vous aimez ce genre de vidéo. Mon seul et unique but, c'est que vous puissiez enfin réussir sur Shopify comme cette fusée-là qui explose. En fait, le but, ça soit que ça, ce soit vos notifications Shopify. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner et tout simplement, n'hésitez pas à suivre la prochaine série qui arrive sur ma chaîne YouTube. Maintenant, pour ceux qui veulent arriver à ce stade-là de la fusée un peu plus rapidement que la moyenne, eh ben, pour les plus avancés, j'ai mis en place, moi et mon équipe, tout simplement un programme de mentoring. Tout simplement objectif bénéfice et le lien est en bio si vous êtes intéressé. Voilà, je vous en dis pas plus, c'est vraiment pour ceux qui sont assez avancés, ceux qui ont déjà eu des boutiques. Et nous, tout simplement, on se retrouve, comme je vous ai dit, dimanche le 30 mai à 15h30. Ciao, ciao!